que c'est pas moi qui l'ai fait. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 11e vidéo speedrun. Que c'est pas moi qui l'ai fait, car comme vous savez, je suis toujours un gros branleur qui profite du travail des autres. Et aujourd'hui, je profite encore du travail de Kukulkan, qui va nous saboter, plutôt, nous terminer Cybernoïde en moins de 15 minutes. Bon, comme vous voyez, j'ai un peu innové, j'ai mis une caméra, un peu pour montrer ma trogne, hein, dans un petit coin de l'écran. Et donc, revenons-en au jeu, parce qu'il a déjà démarré. Cybernoïde, que vous avez présenté dans ma toute première compile sur ma chaîne, hein. Ça commence à dater, hein. Je crois que ma première compile c'était devait être genre mars 2017, hein, donc ça fait un petit moment. Et donc là, il va terminer le jeu donc en moins de 15 minutes. Donc j'ai retiré le chrono parce que je me suis dit qu'en fait, le chronomètre que je vous mettais avant en bas, il n'a plus trop grand intérêt. C'est vrai que je dis que c'est un speedrun, mais c'est surtout pour vous montrer la performance. Là, vous voyez, il va pas spécialement courir. Donc le but du jeu, hein, bah, vous savez, c'est de... Là, dans ce jeu, vous avez exactement... Attendez, voir que je me souviens bien, vous avez que 3 niveaux. Parce qu'en fait, le jeu boucle indéfiniment. Donc 3 niveaux. Et le but est de récupérer les... Bon, je vais vous raconter vite fait le scénario, évidemment, un peu bateau. Ah, les dépôts d'entreprise, les dépôts d'entreposage de la Fédération ont été pillés par des pirates qui se sont emparés de précieux minéraux, bijoux, munitions et toutes dernières armes de combat. Évidemment, blablabla, on s'en fout. Le but du jeu, c'est de ramasser, de récupérer toutes les tous les trésors qui ont été volés. Évidemment, vous êtes tout seul, hein, dans ce genre, on peut appeler ça un shmup. Même si vous avez fait, vous avez des zones où vous pouvez vous poser. Vous avez 4 vies pour démarrer. Et là, vous allez voir que ça pète dans tous les sens. Là, en fait, on veut dire qu'il n'est pas dans le but de faire vraiment un speedrun. Hein. Il est là pour terminer le jeu et récupérer un maximum de choses et faire du point, hein, faire du scoring. Et vous allez même voir que, moi, pas tout de suite, mais vers la fin du jeu, il va perdre quelques vies. Vous avez des passages, franchement. Bon, là, vous voyez, là, utiliser. Vous avez plusieurs armes à utiliser. Là, dans l'écran, juste en haut de l'écran, là, vous avez marqué Shield. Juste en dessous, c'est le nombre. Bah, il a changé d'arme, c'est le boule. Vous avez un nombre limité donc d'armes et de munitions. Là, c'est pas plus que 5. Et là, donc, il fait son passage. Il gère ça assez tranquillement. Là, il faut dire que c'est vrai que l'espèce de bouclier qui tourne autour de vous, plus le tir à l'arrière, là, déjà, il termine le premier écran. Enfin, la première mission. Vous voyez, ça a été rapide, hein. En 2 minutes 40, et c'est torché. Hop, direction deuxième mission. La première mission n'est pas difficile, hein, ça, moi je sais que j'y arrivais. C'est qu'après, c'est qu'il y a des séquences assez ardues. Donc là, forcément, ben, il repart un peu à poil. Attention aux ennemis qui sautent. Bon, là, les petites choses en éruption, ça fait pas de mal. Là, il faut faire attention à l'espèce de chenille là, qui s'accroche aux parois. Là, il récupère la protection qui détruit tout autour. Ça, c'est le pied. Parce qu'en fait, vous avez différentes armes. Attendez, voir que je regarde. Vous avez 4 armes. Ouais, la bombe, la mine d'impact, le bouclier de défense et les bombes bondissantes. Et le tir chercheur. Tout ça, évidemment, est limité. Alors là, ça c'est les zones. Là, ça passe au poil de cul près. Là, bon, là utiliser le bouclier pour se faciliter la tâche. Parce que c'est là que c'est hyper chaud, sinon. Et vous pouvez donc sélectionner vos armes en appuyant sur feu. Là, boum, il envoie les missiles. Ça pète de partout. Là, il va tout doucement. Là, vous voyez, il va laisser arriver les ennemis pour récupérer les trésors qu'ils vont relâcher. Et faire un maximum de points. Alors, vous avez aussi un chrono tout en haut à droite. Bon, vous avez quand même un petit peu de marge. Là, il récupère pas mal d'armement. Tir avant, tir arrière, la boule qui tourne autour de lui, c'est... Là, il est pas mal, hein, niveau armement, niveau protection, c'est franchement pas mal. Hein. Là, vous voyez, franchement, il prend bien son temps pour laisser venir les ennemis qui relâchent des trésors. Parce que bon, faut pas se leurrer, hein, ces jeux-là, c'était surtout du scoring. Hein. Là, si vous voulez vraiment aller vite, c'est vrai que des fois, je me dis le titre speedrun, bon, maintenant on n'a pas trop d'intérêt sur certaines vidéos. C'est juste pour vous montrer la fin des 3 niveaux, vu que le jeu ne boucle indéfiniment. Et ça fait que du canon. Il torche sacrément les jeux.
Là, il pète tout. Faut juste qu'il fasse attention au lâcheur de bombes là au-dessus parce que lui, il est indestructible. Là, pareil, il faut éviter les tirs qui sont totalement aléatoires. Bon, là, il a mis le bouclier, donc comme ça, zen, tranquille. Là, il détruit toutes les briques. Il va aller chercher normalement les options derrière. Hop. Et là, il a plus qu'à remonter et en se collant. Alors là, pareil, hein, si vous avez, bon, vous avez déjà dû jouer ces panneaux, vous savez qu'il y a la gravité qui est en jeu. Si vous lâchez la manette, votre petit robot va se mettre à descendre. Là, vous avez la saloperie de Chenille qui tourne, qui est indestructible aussi. Bon, là, il envoie des tirs dans tous les sens. Ce jeu-là, moi, j'ai jamais réussi à le terminer, mais j'adore ce jeu. Là, Raphaël, c'est cool. Il a fait vraiment un super jeu avec une musique vraiment exceptionnelle. Donc là, il avance tranquillement. Le mille pattes est passé. Là, faut faire attention au petit vaisseau. Là, faut qu'il lâche des bombes pour détruire les centres de protection, là, les boules. Et là, il y a tous ces petits robots à la con qu'il faut qu'il évite. Parce que parfois, évidemment, c'est juste au moment où vous allez descendre l'écran qu'ils apparaissent. Là, hop, ils ne prennent pas la tête, ils traversent directement. Là, faut qu'il fasse attention parce que les bombes vont tomber. Donc, tant qu'à faire, puisqu'il peut, bah, il utilise sa boule autour. Le canon, il esquive. Là, il détruit toutes les briques pour aller chercher les quelques options. Là, il switch entre ses armes. Hein. Vu qu'il a quasiment tout ramassé. Il avance tranquillement. Là, il faut faire attention aux tirs qui sont aléatoires du canon en face. Là, il a utilisé le bouclier, donc tranquille pépère. Les missiles en bas. C'est vrai qu'avec la boule qui tourne autour, ça fait un massacre. Hein. Là, il met le bouclier, comme ça, il n'a pas besoin de se soucier du passage et des ennemis qui tirent. Toujours les petites bombes, c'est pas le plus chiant. Et là, bah, il termine le deuxième écran, enfin le deuxième niveau. Il n'a toujours pas perdu de vie. Hein. Et puis à chaque fois que vous terminez un niveau, vous gagnez une vie. Voilà, ouais. Bien joué, pilote et compagnie, à vous gagner un engin supplémentaire. Donc là, maintenant, il a 6 vies. À chaque fois, il repart à poil, mais ça va. Là, oui. Attention au crasheur, là. Attention aux petites saloperies qui passent au-dessus. Et là, c'est vrai que là, ça va commencer à grouiller de saloperies, mais il s'en sort toujours tranquillement. Ouais, donc pour switcher entre les armes, il suffit d'appuyer sur 1, 2, 3, 4 ou 5 selon l'arme que vous avez, les armes que vous possédez. Là, il a mis son bouclier, là, les boules rebondissantes, la chenille, on s'en fout. Qui fait tout péter. Attention au petit robot. Là, c'est pareil, en fait, bon, là, c'est pas très bien. On a déjà une bonne partie qui se suicide dans les autres trucs. Là, vous voyez, pareil, hein. Il attend, il fait du scoring. Il les laisse venir, il shoot. Et après, il va récupérer les trésors, hein, tout ce qui est tombé en bas. Faire attention quand même de ne pas se faire avoir parce que ouais, des fois ça frôle, ça passe tout près. Et hop, écran suivant. Alors là, forcément, c'est le truc qui passe au poil de cul. Alors là, je sais plus, là il lance ses boules rebondissantes, mais bon, ça détruit pas les petits robots qui bouchent le passage. Donc là, ça se joue vraiment au pixel près. Et là, par contre, bah voyez, là c'est pas passé. Il avait un poil de cul qui dépassait et ça a pété. Donc là, par contre, il va falloir qu'il se débrouille. Là c'est les passages super chauds. Surtout que là, il en a 1, 2, 3, 4 à passer. 5 même. Là, il a récupéré un bouclier. Donc, on en profite, il se casse.
Ouais, c'est super chaud là, je perdais des vies à foison quand on n'a pas l'option. Je crois même que moi, de toute façon, à l'époque, je pensais qu'on pouvait. Je ne savais même pas qu'on pouvait changer d'arme. Forcément, avec les outils piac, on savait pas comment marchaient les options. Tout côté, il récupère le tir arrière. Et la fameuse boule de la boule destructrice tout autour. Là, il trace. Il faut se méfier parce que c'est vrai qu'avec les boulettes rouges, c'est sont les mêmes que les skins. Alors c'est à s'y méprendre des fois dans les tirs. Il fait péter les briques. Autant vous dire que si vous avez plus de bombes, vous pouvez pas passer. Hein, donc vous... vous seriez obligé de vous suicider. Là, le petit passage où il gère tranquillement. Oh, et hop là. Donc il y en a qu'un, c'est plus simple. Là, attention à la chenille, il a mis le bouclier comme ça, il est tranquille. Et hop, il laisse passer. Là, il y a tout un tas de petits robots, il y a les options à récupérer, mais bon là, ça tombe. Là, il va lâcher des missiles pour casser les briques. C'est comme du Arcanoï presque. Sauf que là, il attendait un peu avant de tirer. Il va tout détruire, hein, on va tout faire du score. Et hop, il avance. Les missiles à dégager. L'espèce de machin, là, le verre détruit. Faut juste attention au tir ennemi, qui des fois se mélange avec nos tirs, on sait plus trop. Les petits vaisseaux, tous les ennemis font penser à des insectes ou des animaux. Là, on dirait des vers. Hein. Des espèces de vers un peu bizarres. Là, il va remonter tranquillement. Attention, bombe. Sale bestiole. Là, attention, il y a le lâcher de bombe partout. Et hop. Il récupère de l'armement. Et bing, et bing, allez, casse-toi. Là, attention au tir. Et là, c'est pas passé près, c'est passé dedans, là. Là, il a encore perdu une vie. Et là, le passage était compliqué. Il a pas voulu descendre tout de suite et il a payé cash. Et là, il paye cash parce que là, ça commence à grouiller de petits vaisseaux. Et là, ça va pas pardonner. Et là, rebelote. Vous voyez, il a déjà plus que deux vies, hein. Mais il va y arriver, il va y arriver. Là, il se laisse peut-être un petit peu aller, hein, il gère. Il a récupéré un peu d'armement. Ça pète de partout, on n'y voit plus rien. Il va recasser les espèces de trucs roses. Attention au canon qui va toujours être ses tirs aléatoires. Là, il laisse passer et hop, on se casse. Même punition ici. Puis là, il n'y a aucun pattern. Le tir, là, c'est vraiment totalement aléatoire. Hein, ça... C'est pas tant de tir et après, ça change. Toujours ces bandes de saloperies. De l'armement. Des bombes à péter. Et il fait tout péter. Allez, hop. Là, un superbe passage bien galère. Bonne misère. Là il lance. Là il va mettre le bouclier. Normalement. Non. Non, il rechange. Il rechange d'arme. Là, il y va. Ah là, comme il faut. Vous voyez, c'est vraiment. Ça passe à ras des pâquerettes, hein. Là, il gère. Et là, il met le bouclier parce qu'il dit c'est bon, c'est trop dur. Surtout quand il faut détruire. Et là, hop, fin du troisième niveau. Et c'est terminé. Bravo Kukulkan, hein. Le jeu terminé en 14 minutes 24, 25 à peu près. Bravo, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao!